Coucou Cadis. Coucou. Alors aujourd'hui sur Studio Bubble Gaming, nous allons ouvrir une box qu'on n'a encore jamais ouvert, ni sur cette chaîne, ni sur Studio Bubble Tea, puisque c'est la JDG Box, la Journal du Geek Box. Voilà, on va voir ce qu'il y a dedans. Bon, j'avais envie d'essayer. On peut trouver ça sur le site... tu te caches. On peut trouver ça sur le site jdgbox.com. Attention la tête. Un petit coup de cutter. On entre dans le vif du sujet. Bon, voilà, je pense que c'est en rapport avec les univers des jeux vidéo ou des personnages Marvel, etc. Alors, on ouvre. Oh, mon cœur. Oh, je vais avoir une boss. Oh, t'as une énorme boss. Oh, on dirait un dromadaire. Alors, on ouvre cette boss, box. Non, on ouvre pas ma boss. On m'a posé la question pour savoir si c'était écrit les textes. Non, c'est improvisé. Donc voilà, je fais des blagues. C'est un petit peu ma marque de fabrique. Alors attention, on ouvre tout ça. On va d'abord... Ah, il est dans la box. Il y a une box. Et dans cette box, il y aura une box. Eh bien, c'est très bien. On va faire la photo avec ça. Eh bien, maintenant, il n'y a plus qu'à l'ouvrir, Calice. Alors, hop, ouvre-moi cette jolie box. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouh, donc c'est la JDG box du mois d'avril. Hein. Donc déjà, il y a plein de petites paperasses. Ah, il y a des invitations pour la foire de Paris. Ah, c'est trop cool, c'est parce que je me dis, tiens, peut-être qu'on ira. À part les papiers, qu'est-ce qu'il y a? Alors ça, c'est trop bien. Un distributeur de bonbons pèse à l'effigie de Batman. Puisque... Contre Superman. Ah oui, parce qu'il y a le film qui vient de sortir, Batman contre Superman, et qui cartonne au cinéma. Ouais, ça. Ça, c'est quoi? Je sais pas. Oh, trop bien, je suis super content. Ah, j'arrivais pas à en trouver. Ça, c'est un casse-tête. Je vais te montrer après ce que c'est. On continue. Ça, tu vas adorer. Je suis super content. Ah, c'est génial. Oh, un joli bracelet. Un bracelet? Eh, c'est pareil que le truc là, comme ça. Mais sauf que c'est beaucoup plus petit. C'est quoi ce truc? Alors, ça s'appelle tapis. Ah, c'est un support téléphonique repliable. En fait, tu mets ça sur ton smartphone. Ça permet de le tenir debout et de, voilà, de, comme ça, de regarder ton écran sans qu'il soit posé à l'horizontale. Ah, bien sûr, il y a un t-shirt. Normalement, c'est la taille S, donc c'est un petit peu grand pour toi quand même. Tu vas le mettre par-dessus ton t-shirt que tu as. C'est quoi d'ailleurs comme t-shirt? Bruce, Clark, Diana. Ah, d'accord. Donc Bruce, ben, c'est, en fait, c'est le sous-vêtement, le caleçon de Bruce Wayne alias Batman. Le slip rouge, ben, bien sûr, le slip de Clark. C'est le slip de Superman. Et Diana, je pense, hein, sans me tromper, je suis pas sûr du prénom, mais je pense que c'est la jolie culotte avec des étoiles dessus de Wonder Woman. Ok, bon, d'accord, un joli t-shirt de super-héros. Ensuite, tu as... Ça, alors, ça... Ah, bah, c'est Batman encore. Mais c'est quoi? Ah, c'est passé sous le signe. Ah, mais c'est quoi, oui. Ah, c'est peut-être aimanté. C'est peut-être à mettre sur le frigo. Ok. Et ça, alors attends. Oh, bah, un mug même. Pareil. Ah, un mug, ah, ça, d'accord. Des fois il y a des mugs, des fois il y a des figurines pop dans les box, c'est très sympa. On en a beaucoup des mugs, hein. On va ouvrir un magasin de mugs. Voilà, attention de ne pas le casser. Waouh, sympa ça aussi, hein. It's a bird, it's a plane. C'est un oiseau, Superman. C'est un avion. Non, c'est Superman. Waouh. Et là aussi. Ouais, c'est le même dessin, le même texte des deux côtés. Ah, très sympa. Est-ce qu'il y a un petit flyer pour expliquer qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, voilà, oui. Ah ouais, je vais vous expliquer. Pour moi, ça, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est Inside. Tu veux que je t'explique? C'est quoi? Ouais, c'est ça. Inside, c'est un casse-tête comme il n'en existe peu dans une couleur exclusive pour la JDG Box. Et le tout made in France. En fait, tu vois, à l'intérieur, il y a des labyrinthes, mais tu les vois pas. Et tu ne vois pas la bille à l'intérieur. C'est ça qui est très très fort. Elle est enfermée dans la box, il faut que tu arrives à la faire sortir et que tu te souviennes comment tu l'as fait basculer pour à chaque fois, si tu veux le refaire plus tard, la refaire sortir. C'est extraordinaire, j'ai jamais fait, mais voilà, ça me plaît le concept, ça me plaît, on va essayer ça. Oui. Ensuite, alors, il y a le mug, hein, bien sûr. Un mug pour montrer allégeance à Batman, Superman ou Wonder Woman, donc là c'est Superman. Et il y a le premier numéro de ce comics Doctor Who, signé Aquileos et dédié à Doctor Who dans une édition spéciale JDG Box. Il est où? Il est là. Voilà, le magazine Doctor Who, tu ne connais pas, Calice, mais je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent cette série, qui est géniale d'ailleurs. Et voilà, c'est un comics en fait. Ok, très bien, tu pourras le lire si tu veux.
Il y a ensuite, à l'occasion du film Batman contre Superman, voici un t-shirt exclusif pour la JDG Box. C'est celui que tu portes. Ensuite, il y a un support léger et coloré qui permet de poser son smartphone partout, on a vu. Ensuite, Retomber en enfance avec le PES, édition spéciale Batman contre Superman. Dagoma propose une imprimante 3D 100% française à partir de 299€. Voici un exemple de création utile. Ah, ça, ça a été fait avec une imprimante 3D. Tu te souviens? On avait vu une imprimante 3D au salon de l'agriculture où c'était une vache qui était imprimée. Tu te souviens? Ah oui, je m'en souviens. Et on va essayer dans une vidéo sur Studio Bubble Tea de se procurer une imprimante 3D et de faire quelque chose avec une imprimante 3D. Voilà, on va essayer, hein. On ne vous le promet pas, mais c'est en cours. Donc ça serait génial. Ensuite, pour terminer avec cette JDG Box, nous vous proposons un magnète signé par l'artiste Tira à l'effigie de Batman. Donc c'est bien un magnète que tu pourras mettre sur le frigo, Calice. Eh bien voilà, on avait tout bon. Ah, j'aime beaucoup en tout cas le casse-tête. Ça y est, t'arrives à l'enlever? Non. Non. Ça aussi, c'est un vrai casse-tête. Si vous connaissez ce casse-tête, laissez un commentaire si ça vous plaît, laissez un petit pouce bleu sur cette vidéo, un max de pouces bleus si ça vous plaît aussi. Voilà, si vous aimez le concept des box. C'est la première fois qu'on ouvre le JDG Box. Ouais. Alors attends, est-ce qu'il faut l'ouvrir ou pas? Je sais pas. Si, il marque, je crois. Là-dessus, il y a marqué... Ah, il y a le mode d'emploi. Peut... Oh, c'est... Hey, le flyer est très très simple. J'aime bien quand c'est simple comme ça. Salut, petite bille. Alors, le novice, c'est celui que tu as. Il est plus pas... Ah, parce qu'il y a plusieurs tailles, c'est un petit peu comme les boules. Tu sais, les boules Perplexus. Donc, il y a plusieurs tailles. Ça, c'est la plus petite, la taille novice. Super facile, en fait, à faire. D'accord. Après, tu vois, il y a plusieurs tailles et tu peux faire la grosse, grosse, grosse boîte pour les génies. Et tu as 6 tailles différentes, quand même. Hein. Donc, en fait, il faut regarder le plan. Ah, il y a un plan. Une fois que c'est ouvert, il y a 4 couches. Regardez, petits copains. Il y a 4 couches qui forment les couches du labyrinthe. Et à chaque fois, il y a une petite ouverture pour aller d'une couche à l'autre. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, comme ça, c'est mieux. Et on met la bille ici. Voilà, tu vois. Et le but du jeu... Après, je referme, bien sûr. Tac. Et le but du jeu, c'est de la revoir de ce côté-là. Donc, il faut traverser les 4 couches. Donc ça, c'est super facile. Est-ce qu'il est sur la deuxième couche, déjà, là? Pas du tout. Je n'en ai aucune idée. C'est ça qui est drôle. Voilà, en tout cas, je vais te laisser jouer avec. Est-ce que ça te plaît, ce concept? Ah, moi, je vais bien jouer avec. C'est un petit peu comme le Rubik's Cube. Ouais, ça peut marcher comme ça. Ça peut marcher, mais ça sera vraiment du hasard. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, cette JDG Box. Hein, donc, c'est tous les 2 mois, la JDG Box. Donc, allez faire un tour sur le site jdgbox.com. Voilà, cette vidéo n'est pas une vidéo sponsorisée, hein, je le précise quand même. Mais voilà, je trouvais le concept plutôt intéressant. Tout ce qui est box surprise, forcément, eh bien, ça nous correspond avec Studio Bubble Gaming et Studio Bubble Tea. Et c'est plutôt top. Ah oui, c'est un poster qu'on n'a pas montré. Tu t'en tires? C'est dur, hein? Bah oui, c'est un peu le but d'un casse-tête. Et on conclut cette vidéo sur un magnifique petit poster de l'univers des super-héros DC Comics. Voilà, avec Batman notamment. Et il y a un extrait de journal Urban News. Ok, très bien. Voilà, j'espère que les petits copains, ça vous a plu. Et on se retrouve très vite sur Studio Bubble Gaming pour jouer à un jeu vidéo, certainement, voilà, sur tablette ou sur console de jeu. Donc, bien, à très très vite. Et Calice, eh bien, bon courage avec ce petit casse-tête. Amuse-toi bien. Attends. Ah. Ah oui, t'as des plans dessus. On dirait. Ah, voilà, ouais, c'est bien, c'est pas complètement à l'aveugle. T'as des plans qui sont dessinés. Bon, bah, bon courage. Et on se retrouve très bientôt, Calice. Bisous et à très vite, et surtout, n'oubliez pas, la vie est un jeu. Vidéo. Et moi, j'ai ouvert le PES Batman pendant que Athéna est en train de jouer derrière. Bravo Calice, la première fois que tu y arrives. Allez, dans l'autre sens. Et voilà. Oh, c'est un bon petit bonbon. Tu en veux un? Oh.